Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharaoh avec Kaliat. Alors je tourne cet épisode dans la foulée du précédent, histoire d'avoir un petit peu de contenu pour démarrer la série. Donc je n'ai pas encore pu renommer éventuellement vos régiments, mais je ferai une pause après celui-là. Comme ça vous pouvez je lirai tous vos commentaires, que ce soit sur l'épisode précédent ou celui-ci. Et on pourra renommer tout ce qui a besoin de renommer. On a gagné une armure lourde, excellent cette fois. Ah, est-ce qu'on met une armure lourde sur notre général? Qu'est-ce que ça fait? On perd en vitesse, on perd en défense en mêlée, on gagne plus 38 d'armure. Allez, quand même. Hein. Perdre en vitesse. 37 de vitesse. Elles ont combien nos unités globalement? 37 de vitesse. 39, 37. Ouais. Donc si on perd en vitesse, on va quand même être beaucoup plus lent que nos troupes. Hein. 29, t'as fait chier. Donc, je pense qu'on va garder notre armure moyenne pour le moment. On verra si on a des problèmes avec des unités extrêmement efficaces contre ça, mais je pense que ça devrait le faire. Est-ce qu'on peut recruter? Non, on peut pas recruter, ça serait abusé en même temps. On est en siège. Du coup, eh ben, on va passer le tour. Voir un petit peu ce qu'on nous propose. L'inflexible ne rompt jamais. Une suite de reconstitution. Parfait. Tac tac tac. Du coup, on peut partir sur du militaire. Plus d'embuscade, temps de résistance au siège ennemi, pas mal. De l'XP pour toute la faction dès le début, c'est quand même pas dégueu. Hein. Après on ira chercher un peu les. Quoi que ça serait bien à débloquer vite. On va faire ça pour l'avoir rapidement. Histoire de pas trop traîner dans notre voie si on a besoin. Ces trois trucs là sont les trois trucs nécessaires au début de toute façon. Y a pas vraiment de miracle. Hein. Mais on ira chercher l'XP après. Est-ce que je peux faire une file d'attente? Je crois que non. Prends ça, puis ça, non, ça, non. Non, pas de... Regarde, pas de file d'attente, ok. Alors ça c'est considéré comme une spé sédentaire parce qu'on va déverrouiller la capacité à occuper des colonies. Mais ouais, c'est sûr que c'est pas sur cette branche là qu'on va partir. Hein. Je le prends juste pour pouvoir avoir la voix des peuples de la mer, mais on ira clairement pas par là. Hein. Et du coup... J'ai dit, on n'a pas passé le tour, non, on n'a pas passé le tour. Ok, ils ont quand même une bonne défense. Mais c'est surtout les archers qui vont nous faire mal. Plus les tours, donc on va la faire en auto, pas la peine, il n'y a pas vraiment de challenge. Ça va être une charge généralisée et puis... Bim! Oula, le coup de masse dans le menton là. Il fait pas plaisir. Un petit peu d'or. Et donc on rase tout ça et on récupère 452 thunes en plus de nos bonus. Et ça c'est beau. Du coup, la suite, si on voulait traverser ici. Ok, on pourrait traverser par là, pourquoi pas. Donc ça nous intéresse pas forcément. Je pense qu'on va plutôt descendre vers là. Ici on a des travailleurs du camp. Ici on a des provisions de guerre à aller chercher. Ça, ce serait vraiment cool d'avoir ça. Donc je pense que... Ah, on peut pas se mettre en marche forcée. Ah oui, non, parce que là c'est les 30% qu'on a grâce à notre titre là. Après avoir rasé. Bah du coup, demi-tour, prenez la route les gars. Steady pace. Et on va aller chercher cette faction là. Alors cette faction là... Well, I'm waiting. Pour le moment elle est à poil. Très hostile. On va déclencher une guerre. Dans le sens où comme ça, peut-être qu'ils vont avoir envie de nous envoyer des troupes et on n'aura pas à les affronter avec leur ville. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Comme négociation, on peut faire quand même des accords. Ok. Ah, ça j'avais pris au pif, mais c'est une autre faction de pilleurs, tiens. Genre on peut leur dire tiens fais-nous de la nourriture parce qu'on s'aime bien. Ah oui carrément ils sont même hyper OP. Non c'est nous qui donnons là, c'est pour ça qu'ils sont hyper OP, je suis con.
Logique. Et on peut leur dire, tiens, on a une production de bois, donc on va faire du stock. On va faire un accord d'échange, on va leur dire pour 200 nourritures, waouh, moins 31, oui, c'est peut-être un peu beaucoup. On file 50 de bois, 45, 40, 35, 38, 37, 38 ce sera. Pendant 6 tours, voilà, comme ça on se fait du stock. I like this proposal. Est-ce qu'on en a encore du bronze disponible? I will defend my home. Ok, ici, mais c'est pas dit qu'ils acceptent de faire grand chose avec nous. C'est-à-dire, ils ont besoin de bois. Si on vous donne genre 32 bois, histoire de gagner un petit peu de réserve. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Franchement, 32 bois contre 35 de bronze, c'est carrément correct. On fait du stock de bronze pour pouvoir recruter assez vite des unités efficaces. Et eux, là, sur Chypre, on n'ira jamais les emmerder. Enfin, ça m'étonnerait. En tout cas, si on y va, c'est pas tout de suite. Donc, on est pas mal. On a gagné du butin de guerre, excellent. Nouveau objectif de victoire. Idole en or, 5000 d'or, ok. C'est faisable, hein, franchement, avec les gains là. C'est carrément faisable. Donc là, on a rasé ça. Ça nous fait un point. Parfait, passons le tour. En avant. Et on peut choisir une ambition. Ambition de type pilleur, ambition de type pilleur, ambition de type stratège. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Assurez-vous que là où les factions étuites sont détruites aux confédérés. Bah c'est ce qu'on va chercher, donc c'est plutôt pas mal. On gagnerait des boucliers philistins, 15 d'armure pour toutes les unités d'infanterie à bouclier, pas mal, et 3 points de victoire. Excellent. Ursula Sim, c'est probablement notre cible d'après, mais pas tout de suite. Ça nous dit pas combien de tours on a. Archétype du belliqueux, donc plutôt non. Et ça, champion des guerriers de la Horde, 15 unités au total. Les guerriers de la Horde sont disponibles au recrutement. Pourquoi pas, mais... On va aller chercher ça parce que c'est vraiment le truc qu'on va faire à plutôt court terme. Et en plus ça donne des points de victoire. Et l'objet est assez intéressant, en outre. Alors, avançons déjà. Si on voulait aller par ici, on passerait du côté de la ville. On va garder nos 50% de mouvement, juste voir un peu qu'est-ce qu'on voit. Ici ils ont fait un hôtel, là il y a 6 troupes ici. Pourquoi c'est grisé? Ah c'est parce que j'ai pas mon armée, oui ok. Du coup je pense qu'on va se mettre en mode campement. Recruter 2 comme ça pour 23 de bronze par tour, ça pique. Un frondeur de plus, et au niveau des bâtiments, on n'a pas assez de main d'œuvre globalement pour les bâtiments. On pourrait faire du bâtiment tout neuf. 20% d'usure en plus quand on est on assiège des ennemis. Plus de la croissance, ou sinon du déplacement. Déplacement et ligne de mire, c'est quand même très fort hein, pour nous. Ouais, on va partir là-dessus. Déplacement et ligne de mire. Comme ça, on sera full reconstitué avec en plus des unités bien vénères. Ici, il a 13 troupes dans sa garnison. Waouh, du renom, du vétéran, pas mal de vétérans. Du lancier, beaucoup d'archers. Difficile à prendre cette garnison là, il va nous falloir une vraie armée là. Il n'y a que ça, ok. Donc plus l'armée qui est là, ce serait bien si on pouvait l'attirer. On va peut-être se mettre en mode pillage dans un coin. Peut-être aller chercher ça d'abord, finalement. On verra. Il y a deux provinces là, par contre. L'autre est probablement là.
Est-ce qu'on a un tour? Non, on n'a pas de nombre de tours, hein. C'est cadeau. Go. On va la jouer comme le faisaient les envahisseurs avec nous. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une armée qui a popé, j'ai l'impression là. Vive les suivants d'Horus. Ok, ça y est. Donc là, on a tout qui s'est débloqué. On a les premiers suivants d'Horus qui arrivent. J'ai cru voir un truc apparaître là. Non, c'était moi. Ok. Juste parce que j'ai eu un pop-up comme j'ai eu un niveau. Nouveaux objectifs de victoire. Faire tomber Axelon. Ashkelon. Donc toute cette zone là. Parfait. On a récupéré nos unités. On a eu un niveau. On va aller chercher ça pour booster un petit peu l'influence. Le prochain titre est rang 8, c'est bientôt, hein. Ça va très vite. Hein. Pour le moment, on aurait quoi? Coût de recrutement moins 10, atout accordé, attaque de flanc améliorée pour toutes les unités de la horde. Ouh, pas mal. Chance d'embuscade pour chaque avant-poste tribal de la faction, ok. Mais on ira peut-être chercher ça du coup. Je pense qu'on commence à être suffisamment costaud. On ira chercher ça, puis ça. On n'a rien débloqué ici et ici, on est d'accord. Hein. La matraque, non. Le bouclier, non. Et là, rien d'autre, ok. Très bien, donc du coup, par contre... Ah, je suis toujours en mode campement. Ah, je suis toujours en mode campement. Effort will pay off. Allez, raser ça. Il a construit un comptoir commercial juste là. Bah, go. Hop. On rase l'avant-poste. Hein, un petit peu de pierre. Ça mange pas de pain. Par contre, on a 13 mecs. Il y a 13 mecs dans la garnison, plus les 6 de son armée. Ça va pas tomber comme ça, hein, ça c'est clair. Laron calls. Ah merde, c'est 50% le raid. Je pensais que c'était 25. Zut, c'est l'embuscade qui est à 25. Réussite d'embuscade. On est sur du 45 un peu partout. Yet another journey. On va se mettre en embuscade pour le moment du coup. Surprise is on our side. On verra s'ils ont envie de venir nous chercher. Qu'est-ce que j'ai pas pris là? Ah oui, rapport de reconnaissance. J'ai rencontré Ramsès. Oh déjà. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les divinités locales. Donc, pour le moment, on vénère eux. Enfin, elles. D'un geste sacré de la mer des montagnes, l'argile passe de la terre à la chair et vice-versa. L'or des yeux de ces lions fait partie des richesses qu'elle confère à l'humanité, bien qu'il cache une lueur affamée qui condamne les imprudents. Quand elle est généreuse, vous pouvez façonner la terre comme bon vous semble, sinon elle est aussi inflexible que la pierre. Ok. Donc les idoles, on a vu. On peut prier dans un poste tribaux, plus d'XP, moins de morale pour les ennemis. Pour chaque unité autochtone, tiens c'est rigolo. Ah non, pour les armées ennemies de type unité autochtone, probablement. Un revenu des raids. Et général dévoué, c'est pas tout de suite, mais on aura des bonus de dégâts en mêlée pour les unités de la horde. Ok, très bien. On n'a pas encore débloqué le reste. Ça va venir. Ah si, on a débloqué ça. Donc là, du coup, les hordes d'Aliat, si on le lance, on utilise nos animaux de char à des fins non militaires. Ce qui fait que toutes nos troupes montées sont terriblement affaiblies, mais par contre leur entretien est nul, et en plus, ça nous génère de la nourriture. De la croissance des travailleurs. Bon, sachant que pour le moment on n'a aucune unité montée, c'est pas très utile. Et après, si on ne l'utilise pas, on peut avoir des buffs de combat qui sont ajoutés automatiquement à notre pool de recrutement spécial, selon les bâtiments qu'on a construits. Donc il y a pas mal de bâtiments. Je pense que celui-là va l'avoir... Donc voilà, lui il a la cabane des vachers là, une unité de char à bœufs gagnée. Et il y a tout un tas de bâtiments comme ça qui vont nous donner des bonus pour les suivants d'Horus. En l'occurrence j'en vois pas d'autres, mais...
Enfin, c'est peut-être pas masse. Là, ça nous donne une unité de plus, mais le type aussi varie, donc du coup. C'est possible que si on construit genre cette ligne là ou cette ligne là, on ait des trucs différents. Ok, en soit pour le moment, on est arrêté en embuscade. C'est parti. Il veut pas sortir de chez lui. On a les nouvelles terres. Ok, donc on va avoir notre voie. On va aller chercher les avant-postes tribaux, ça va nous permettre de rajouter un peu plus d'attrition encore sur les ennemis. Et on va passer en mode raid et se déplacer par là-bas. Donc là en raid on génère pas mal, hein. 222 de nourriture quand même, 268 de pierre, 113 de bois et 24 d'or. C'est vraiment pas dégueu. Là on a des travailleurs du camp, c'est parfait. 10, pour en avoir combien au max? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, donc ça nous met quasiment au max, mais pas loin. Quand on a des... Ah ouais, 50% de butin de bataille, la vache. Ah, c'est que du bonus pour le coup, là. Et coût de la main d'œuvre du siège, moins 50%. Ah, excellent. On pourra construire plus d'équipements de siège plus vite quand on a de la main d'œuvre disponible. Ça c'est sympa. On va lui raider un petit peu sa tronche, voir si ça lui donne envie de bouger. Les piliers de la civilisation, nous on va plutôt pousser vers l'effondrement. Hein, parce qu'on va raser un peu tout ce qui passe. Et notamment les cités level 5 et compagnie qui vont donner des gros bonus. Ah, il a fait un poste de garde, c'est pour ça qu'il a une telle garnison. Là. Quoique, non, hein, ça donne juste deux péons et un archer. C'est celui-là qui est le camp, là. Ils ont des très bonnes garnisons, les Cananéens, on dirait. Bon à savoir, bon à savoir. Ok, Ramsès nous déclare la guerre. Eh ben écoute, vas-y. J'ai envie de te dire, si ça t'amuse. Viens donc nous chercher. Unis contre nous. Et la civilisation prospère. Donc on a rencontré ces gens qui sont très loin. Parfait. Ici il est sorti. On dirait qu'il est sorti de sa ville. Alors après le problème c'est que pour l'assiéger il va nous falloir quand même un certain nombre de tours. Conflict builds character. On pourrait aller chercher ça pour avoir les bonus. I don't trust a word out of your commerce mind. Avec lui. Rejoindre une guerre. Non. On rentre en guerre contre toi. Hardship cannot last. On va pousser là. Il y a un fort là. You are in my way. Il y a un fort qui pour le moment est vide. On va encercler, voir ce que ça donne. Ça, c'est d'autres gens. Ok, envahisseur à Pyrrhu, milice à Pyrrhu. Peu fiable, opportuniste. Horde, ok. Donc ça, c'est une horde. Pour le moment, est en guerre contre personne, ils se contentent de piller. Cananéen nomade, ok. Donc du coup là, si on attaque, on est considéré comme dans la merde. Comment se fait? C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de vétérans, beaucoup de vétérans, beaucoup trop de vétérans. Attends la vache, ils sont énervés hein, avec leur garnison. Hein. Ok, bah ça veut dire qu'il va falloir qu'on se blinde un peu plus que ça. Et donc pour ça, on va se mettre en campement et on va recruter. Pour l'instant, on n'a pas d'unité vraiment d'élite. Donc on va prendre de la ligne de front. On a du chargeur déjà pas mal. On a 4 frondeurs, c'est largement assez. On va prendre 3 épéistes de plus pour pouvoir vraiment envelopper l'ennemi
et pouvoir placer nos chargeurs de manière idéale. Est-ce qu'on peut construire un bâtiment ? Il nous faudrait de la horde. Hein. On doit pouvoir construire du bâtiment de base. Mais on va essayer quand même d'améliorer un peu nos bâtiments existants. Et pour ça, il nous faut de la croissance. On est à 11. C'est pas dingue, hein. C'est pas dingue. Action restante. Construction disponible. Bah du coup, on a dit non. Hop. On passe. Alors je suis pas surpris que les mecs nous déclarent la guerre. Hein. Eux, ils veulent une paix contre de la nourriture. Non. Contre-proposition, est-ce qu'on peut le vassaliser? Proposer à cette faction de devenir son vassal. Non. Non, 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 non. C'est l'inverse. C'est moi qui te vassalise. Tu veux pas. Faut peut-être que j'enlève ça. Paix. Je peux pas le vassaliser. Ok, très bien. Bah du coup, non. C'est plutôt non. On a rencontré une autre faction. Ok, ceux-là. Bisheba ici. Parce qu'ils ont pris l'autre ville. Ah non. Ah oui, elle est plutôt par l'appel. Ok. Très bien. Anything I can do, I will. Stand by, men. Normalement, il a rien dû rajouter dans sa garnison parce qu'il a pas d'armée dans le coin. On est d'accord. More to be done. We shall not. Là, je pense que celle-là, on peut la gagner. Probablement être un petit peu le bordel, mais on peut la gagner. Ces archers, on va les tailler en pièces avec nos frondeurs. Il a pas de mur. Temps sec, ça me convient. Donc, voyons voir. Ah oui, il y a ses renforts qui arrivent par là. On pourrait éventuellement les intercepter rapidement. Qu'est-ce qu'il a? Morale plus 10. Ah, il a un petit bonus de morale et là. Endurance. Mais il faut être à proximité. Donc c'est moins grave. Donc on pourrait se déployer là pour s'occuper de gérer l'autre enfoiré rapidement. Donc avec nos unités de gens qui tapent les armures. Plutôt vous. Quoique non, vous allez essayer de vous infiltrer. On va prendre du coup ça. Pas eux, donc là, tac, 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 ok, tout ça. Objectif, ça va être de choper lui rapidement. Ensuite, on va vouloir ici en face 3 mecs, peut-être 2, ça suffira. 2 mecs avec 2 frondeurs. Pas trop loin du général pour essayer de prendre ce côté-là, et du coup, on se met complètement à l'opposé, ça pourrait être intéressant avec le reste. L'idée par toi. Toi, on va te laisser là tout seul. S'il y a personne en face, on va pouvoir s'infiltrer et courir un peu partout parce qu'ils sont rapides. Et donc tout ça. Il y a un fondeur que j'ai oublié là. Non, je voulais mettre deux fondeurs ici. J'ai fait de la merde. Je sais pas ce que j'ai foutu. Et donc tout le reste ici, on le pose là. Toi tu vas aller, donc on a dit tout seul ici. Toi t'es qui? T'es le mec qui va avec eux. Ouais, t'es celui qui valide ce bout d'armée là. Oh, on a du déploiement d'avant-garde avec eux. Alors ça c'est rigolo. Mais bon, là c'est un petit peu risqué quand même. Hein. On met deux frondeurs. Nos marins de renom ici pour gérer. Là on essaie de shotter sur eux. On avance là, on avance un peu partout. Ça me va. Donc. Ici on court. Pour le moment on voit personne, j'ai mis pause assez vite.
On va commencer par avancer les frondeurs en courant un peu. Pareil ici, en courant un peu, on va avancer avec vous en marchant. Là on va avancer un petit peu, histoire de pas être trop derrière. Là on a un gros pool d'armée, on va avancer vous. En marchant, vous, en marchant. C'est parti. Donc là il a mis quoi? Des épéistes vétérans, ok. Où est son renfort? Ok, son renfort arrive. Chopez-le. Waves and storms. March with fury. Build momentum. I'll strangle you. Look at them struggle. Ok, ici on a quoi? Des gens potentiellement pas très efficaces. Où sont ces tireurs? On les voit pas pour le moment. Donc là on va pouvoir envoyer nos frondeurs également le titiller un peu. Ici du coup là on va rester à distance, pas la peine de charger sur ça. Vous vous avancez jusque là. Ici pareil, on va avancer nos troupes avec bouclier un peu plus avant pour protéger les tireurs. Ici ils sont en train de réussir à s'enfuir les petits sagouins. Allez, chopez-les de dos si vous pouvez. Putain, ils sont rapides hein. 34 de vitesse, on est censé avoir 41, c'est un peu tendu pour les rattraper. Par contre l'avantage c'est qu'ils empêchent leurs copains de tirer. On les a chopés. Gros tas de gens là, on est un petit peu englué, sans grande surprise. Ici, on va leur donner l'ordre de tirer sur ce qu'ils peuvent tirer. Alors là, du coup, ils ont reculé. Ok. Ils sont en train de reculer. Ce qui veut dire. On s'infiltre. On va avancer les frondeurs jusque là. Je vois aucun de ces tireurs, c'est rigolo. Donc là on peut avancer, attaque en mêlée, défense. On avance jusqu'ici avec eux. En repoussant les ennemis. Ah, là il y a du petit javelinier, ça y est. Ah, là il y a les archers qui arrivent. Ok. Excellent. Du coup. Pour l'instant, ils sont hors de portée. On va donc aller au contact face à eux. On va devoir laisser cela derrière, ils sont un petit peu trop loin. Et on va peut-être pouvoir se faire les archers du coup. Ready to sling. Ici vous tirez pas, pourquoi vous tirez pas, je ne sais pas. Allez-y, chargez. Faut qu'on pousse un peu plus. Notamment pour aller chercher cela. Général qui tient ici. Il douille mais il tient. Alors ici, les frondeurs, qu'est-ce qu'ils foutent ? Reculez et vous allez me mitrailler ces archers là. Voilà, tirez sur ça. C'est à dire que là on est bien en tas là. Y'a pas à dire hein. Pas le côté où on va être le plus avantageux. Courez jusqu'ici vous, on va essayer d'aller soutenir un peu.
Alors là on les repousse, ce qui est plutôt très très bien. Progresser par là. Pareil toi, il est temps de d'y aller. Ok, on a un général de mort, c'est très bien. We're invincible. Full advance now. Il court un petit peu partout. Ah, ici c'est la déroute, parfait. Go. Faut charger. Là. Infiltrez-vous. Il y a un général qui arrive par là. Ouais, on va envoyer une unité s'infiltrer par là-bas. Allez, chargez-moi ces cons. Ici on commence à continuer de se regarder en chien de faïence, mais on va avancer un peu. Si on avance un peu, on peut peut-être réussir à choper un angle par là-bas. Donc là c'est la grosse baston. C'est en train de céder, il a ramené une unité toute fraîche. Est-ce qu'on a de bonus là? Maître épéiste. Ok, pourquoi? Bonne allure, se cacher, tir en mouvement. Je sais pas qu'est-ce qui a mis ce bonus là, tiens. Bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Les filtres on peut les virer par contre, ça mettra un peu plus de visibilité. On a quand même deux unités full face à nous là. Ça va être plus compliqué d'avancer, notamment eux, arrêtez un peu là. Parce que mine de rien, vous avez des pertes. Il est en train de ramener plein de monde, il faudrait que ça cède à un endroit. On peut tirer sur eux là? Non, sur eux. Je suis pas convaincu, mais. Allez, go! Go! Ici, du coup, c'est parti. Courez. Allez me choper ça. Ici, on est au contact là. C'est parfait. Vous commencez donc à nous affaiblir cela. Allez, faut avancer les gars. Je veux pas voir de Z sur des gens en train de glander. Là, on galère un peu à traverser leur ligne parce qu'ils sont très nombreux. C'est quand même du vétéran et on est quand même à poil. Ah, parfait, on a un angle. Pas excellent, mais qui devrait être suffisant pour faire un peu mal. Si c'est la déroute, où est notre autre unité là? Attendez. Où est-ce qu'ils sont partis eux? Mais non, mais vous êtes cons quoi, putain. Passez là. Ensuite là. Tiens, bah d'ailleurs, en vrai, ce que vous allez faire, c'est passer là. Et charger dans le dos de ces cons. Et ici, c'est pas mal, hein. Mène nos épéistes. Ah, mais c'est nos marins de renom ici, c'est pour ça qu'ils sont si costauds. Hein. Je disais, c'est en vert là quand on sélectionne le général. C'est pas dégueu. C'est ce flanc-là qui me fait plus peur. Merde. Dans le sens où... C'est là qu'est notre général. Et nos unités commencent à souffrir quand même un peu. On va reculer. Eux, ils peuvent pas reculer malheureusement. Mais on va reculer un peu pour essayer de les sauver. Parce que c'est quand même nos unités d'élite. Vas-y, essayez de tirer là-dessus. Eux, ils sont arrêtés parce qu'ils ont rencontré des ennemis. On va pas s'en sortir avec cela.
Là, le moral est beaucoup trop costaud en face, faut qu'on arrête avec nos frondeurs. Courez un peu par là. On va essayer de vous placer plutôt dans le dos. Faudrait que ça cède ici, qu'on puisse avancer. Ce serait vachement bien. Ah, ici ça a cédé, ça c'est excellent. Alors go du coup. On va envoyer un max de monde faire une petite charge de dos. Vous courez jusque là. Peut-être commencer à s'infiltrer un peu dans la ville. Là je pense que la charge de dos va les faire céder direct. Ok, parfait. Donc vous courez jusqu'ici. Vous venez là. Pareil pour vous. Vous venez là. Les frondeurs. Vous courez par là. On va envoyer un mec tout là-bas. L'autre il est où? Ok, ils sont dans la mêlée. Allez, la petite charge de dos là. Il faut me les faire céder, ces enfoirés. Tirer sur ça. Ici, le moral tient. On devrait avoir le temps de se pointer. Vous courez, j'ai dit. Swordsman, Axeman. Et c'est une victoire. Stop, ok, on arrête les tiramis. Excellent, ça a cédé. La petite charge de dos ici qui a fait partir en déroute le gros tas, à mon avis, ça a joué. Le général n'a pas pu tenir. Parce qu'ils étaient encore full life, hein. Ils auraient pu faire mal. Mais nos épéistes, même de base, sont franchement plutôt bons. Hein. Victoire de justesse, mais victoire tout de même. Et bien sûr on rase, on obtient un petit bonus de travailleur de camp qui va nous faire encore plus de trucs après. Ah, et par contre ce butin de guerre ne reste disponible que dans pour 30 tours, enfin ne sera disponible de nouveau que dans 30 tours. Intéressant. Du coup, ah oui, Ramsès il est juste là, ok. Du coup, je pense qu'on va aller plutôt par là. Tant pis, je pensais m'occuper de cela plus tard, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de force en face là, surtout la garnison. J'avais vu que sa force était à peu près équivalente à la mienne, donc je m'attendais à une armée assez conséquente. Mais l'armée posée dans la ville avec 13 mecs, c'est un petit peu trop tendu pour nous là. Le prochain tour, on va pouvoir faire des petits villages, on va voir comment ça marche. En attendant, on se reconstitue bien quand même. Hein. Effet de bataille. 6% de reconstitution pour cette armée. C'est pas mal. Ah, j'ai pas vu d'ailleurs, on va plutôt vers Brave. En recrutant des unités armées de Kepesh ou d'épéistes et en subissant moins de pertes d'unités de garde du corps en bataille. Ok. Il est du genre barbare. En pillant ou mettant un sac des colonies et des hôtels, ça devrait aller assez vite. Et en demandant des rançons. Ok, pour l'instant, on n'avait pas trop besoin de rançons, mais ça va venir également. Nickel. On va se reformer un peu. On a réussi à sauver nos unités avancées, ça fait plaisir. Parce que mine de rien, il commençait à douiller un peu. Le fait d'avancer, de pousser, nous a permis de bien progresser dans le petit couloir. De repousser les mecs qui essayaient de nous tenir, notamment le général qu'on avait accroché. Mais c'est clair qu'on prend vachement plus cher. Hein. Il se retrouve un petit peu isolé autour de plein de monde. Oh, on a eu un char. I answer the call. Char ordinaire. Bonus de charge. Ah, et donc du coup, par contre... Ça peut pas être utilisé avec arme et bouclier, donc il faudra que je mette aucune arme, aucun bouclier, et là je pourrais prendre le char. Et du coup,
J'ai un char plutôt à... Intéressant. C'est pas mal, hein, 103 de vitesse, on a une défense correcte, une armure correcte, du coup ça voudrait prendre le coup. Ah, on peut pas mettre, on peut pas prendre d'armure lourde avec, avec le char. Tir d'élite monté, maître épéiste. Ah, c'est lui qui a maître épéiste. D'accord, ça améliore vraiment que les épéistes. Bon, c'est un petit plus en défense en mêlée et en attaque, mais c'est pas si mal. Bon, je pense que pour le moment, on n'en est pas à mettre des chars. On va garder notre, notre setup de base, parce qu'avoir juste lui en char, certes c'est utile hein, d'avoir un petit peu de cavalerie, mais c'est quand même aussi risqué. Donc on va rester un petit peu plus gentillet. Maître des mers et sables. XP par tour, plus 150 pour le général. Attaque de flanc améliorée, elle va être bien, je pense. Ok, on va arrêter l'épisode là, j'espère qu'il vous a plu. Donc comme je disais au début, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous voulez rejoindre l'aventure. Je renommerai ça avant le prochain, et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.